need the pussy for practice. All of my bitches got asses. Throwing it back and I catch it. Send me one to right now, me no wanna wait. Salut à tous, c'est Atomic Turtle, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online cette fois-ci. Alors, comme je vous ai dit, j'allais poster une vidéo où vous verrez ma header, voilà. Je pense encore modifier quelques trucs vu que je viens de l'acheter et tout. Donc, j'avais aussi annoncé cette vidéo dans la dernière vidéo sur les objectifs quotidiens que je vous ai expliqué. Là, que on gagne 25 000 tous les jours, plus 100 000 lors de 7 jours faits. Et... 500 000 lors d'un mois fait tous les jours les trucs. Donc voici comment entrer dans le commissariat de la police. Alors là je vous montre où il est. Il est là, voilà. Donc comme vous avez vu au début, je suis arrivé, j'ai mis ma voiture, je suis passé par un petit endroit. Et là en fait cette porte elle est ouverte, voilà. Donc avant on pouvait pas y accéder à part avec un glitch. Et encore moi j'y suis jamais allé, jamais utilisé ce glitch, ça m'intéressait pas vraiment d'y rentrer. Là je vous montre ça parce que il y a toujours des gens qui savent pas, donc il vaut mieux entrer, voilà, vous pouvez rentrer dans les cellules, vous pouvez tout faire quoi, rentrer dans les cellules, vous pouvez tout visiter sauf un endroit, il y a une porte, il y a certaines portes qui sont fermées à des endroits, comme là vous voyez un peu des portes à droite et à gauche, elles sont fermées. Là il y a des escaliers pour monter un peu. Là on va arriver dans, là, ici c'est une petite salle, je pense que c'est pour préparer les... Je suis pas sûr du tout, c'est quand même bizarre, mais c'est pour préparer les trucs là, les interventions et tout. Ça c'est le salle d'attente du commissariat, l'accueil. Donc là, vous avez un vestiaire, franchement c'est super joli, y a rien à dire. Tout est transpi. En plus vous voyez, ils ont des petits posters cochons, comme quoi les policiers, bah... Voilà quoi, hein. Ça y va dans les vestiaires. Non, je déconne. Donc ici il faut monter les escaliers. Je crois que c'est ici que je vais monter quand je vais monter. Et à la fin, en fait, t'arrives vers une porte. Et tu vois qu'il y a, tu vois que dans la map, là où vous voyez, là à gauche, qu'il y a des salles dehors ou le toit. Mais la porte, comme vous voyez sur la poignée, au-dessus de la poignée, il y a un code. On peut pas débloquer, donc on peut vraiment pas y aller. Mais je pense que bon, si c'est vraiment le toit, vous avez qu'à y aller en hélico si vous vraiment tout voir. Et, voilà, je me suis étalé comme une merde. Donc là, on va redescendre et on verra vraiment la fin du commissariat. Et ce sera tout pour aujourd'hui, donc voilà. Donc voilà, ici vous voyez l'accueil. Ça c'est leur dépôt avec toutes les armes et tout, tu vois. Et là c'est l'endroit du petit chef du commissariat, c'est-à-dire le commissaire. Ici c'est le secrétariat. Merci à tous, c'est Atomic Turtle. À une prochaine vidéo sur GTA ou 2.